Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Super Tux. Ouh, mon fauteuil fait un gros grincement. Nouveau fauteuil, oui. Ok, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, j'ai un petit peu avancé en fait. Parce que tout simplement, j'ai tourné l'épisode 2 juste après le premier, comme promis. Et magnifique Rage Quit. Alors. Ouais, comment dire? Je m'étais pas mal énervé en fait. Je crois que c'était sur le deuxième niveau surtout. Et au final, j'étais un tout petit peu, tout petit peu énervé. Et ensuite, ça aurait pu être marrant, mais j'ai détruit les rushs en fait pour être sûr que je vous le montrerai jamais. Je sais pas, je devais être un petit peu. Je suis un peu crevé ces jours, hein, toujours autant de boulot pour l'Uni, donc c'est aussi pour ça que je ne suis toujours pas là. Mais bref, vous n'êtes pas là pour me regarder, me plaindre de l'université, mais plutôt pour me voir jouer à Supertox. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir vers le haut et pas vers le bas. C'est une piste que un terrain de jeu que je n'ai pas fait, donc comme vous le voyez. Ce qui me permettra aussi de découvrir moi, parce que comme ça c'est plus fun. Et puis alors un immense merci, merci, merci à vous. L'accueil a été absolument formidable pour le premier épisode. J'ai eu que du positif à peu près. Ouais. Il y a juste un truc que j'avais pas récupéré. Ce qui est assez logique, puisque c'était le fameux endroit où finalement j'ai dit non mais j'en ai marre là, je vais pas me casser la tête 2 ans avec ce secret que je ne trouvais pas. Alors toi. Mais bien, 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 bien. Vous voyez, je suis super chaud, hein. Je suis super chaud. Je commence déjà en faisant n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un truc là? Bon, et puis machin. Toing. Ok. Ah, d'accord, il y a un piège en dessous. Ok. Ça passe. Oui, je redécouvre, hein. Ça fait vraiment. Je n'ai littéralement pas eu le temps d'allumer mon ordi pour jouer depuis, on va dire, 2 semaines. À part peut-être 2 minutes ici ou là une fois. Bon, là je peux rien faire, je suis pas grand. À part risquer de me prendre un trou. La mademoiselle. Je dis mademoiselle, j'en sais rien, peut-être que c'est un mec en fait. Un mec déguisé en rose. Taillot, taillot. Il est temps d'aller taper du méchant. Allez, ice block. Oh oui, je vais me faire une bombe. Bam! Alors, je vais juste récupérer un peu les bonus quand même. Notamment celui-ci. Et je vais me faire sauter le truc. Non, je vais pas me cacher. Allez, il faut que je reprenne un peu en main ma manette, hein, n'est-ce pas? Je sais pas ce qu'il y a là, mais ça pourrait m'être un truc intéressant. Ouais, sérieusement, radin quoi. Enfin bon, je me suis rendu compte d'un truc rigolo, c'est que, en fait, quand j'ai fait mon Rage Quit, c'est que je suis mort 12 millions de fois, et en fait, on perd beaucoup de pièces au début qu'on meurt, mais après, si on remeurt au même endroit, on perd un petit peu de pièces, puis après, on perd plus rien. Olé. À moins que je l'ai remarqué pendant l'épisode précédent, auquel cas, ce que je vous dis ne vous fait absolument rien de neuf. Tac. Oh non, 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 non. Ok. J'aime pas trop ces trucs-là. Allez, fais boum. Ouais. Autre chose, vous noterez peut-être que je suis en 60 FPS pour cet épisode. Je me suis dit, on va se lâcher un coup. Ce sera plus gros, plus lourd. J'ai pas récupéré beaucoup de pièces. J'ai pas récupéré, tapé beaucoup de méchants, mais c'est pas grave. Allez, 2 minutes 31, pas mal. Par contre, à 35 pièces, ça peut faire mieux. Ok, alors, c'est reparti. Ah, j'espérais avoir une autre musique, tiens. Ok. Toing. Oui, je joue le petit zizi, n'est-ce pas? C'est une méthode qui marche. Olé. Je pense qu'il y a peut-être un bonus intéressant là-haut. On va essayer de le choper. Eh ben voilà. Il n'y avait qu'à demander. Ouais, évidemment, je retombe. Bon, on va dire que c'est des pièces, les autres. Je sais pas. Hein. Peut-être qu'en haut, c'est un. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bien, j'avais oublié le. J'avais oublié qu'il fallait peut-être utiliser. Mon Dieu, je fais, mais j'ai l'impression, mais de faire n'importe quoi. Je me sens comme un gamin de 4 ans qui découvre le jeu, en fait. Alors ça, c'était pas mal.
C'est genre, j'ai même plus de réflexe. Je suis littéralement devenu vieux. Les gars, ça fait peur. Alors, bim. Ok, alors là, si je tape par dessous. Ouais, oui, louper le bonus, c'est bien. Pourquoi je passe par en bas, moi? Ah, parce que j'ai plus le choix, peut-être. Pardon? Je l'ai même pas vu, celui-là. Genre, pour moi, dans ma tête, il est apparu comme ça d'un coup. Faut que je me concentre. Toing. Allez, première mort. Ah là là. J'ai pas dit que je serais bon dans cet épisode. Hein. C'est vraiment de. Je fais ce que je peux, n'est-ce pas? Alors, tac. 651 pièces. C'est pas terrible. Alors, c'est ici qu'il y avait un. Yes. Ah, ça veut dire qu'on pourra récupérer le petit Ox par contre. Ok. Ah si. Bon, ça fait juste deux pièces de plus. Ouais, c'est pas grave. C'est toujours bon à prendre. Ça c'est fait. On regrandit. J'ai tellement peur de le toucher. C'est vraiment, ça se joue au millimètre là. Ça se joue au demi-pixel près. Ok, donc là c'est le petit Ox. Donc si je veux l'avoir, on va déjà faire ça. Voilà, on va se donner de la place. Yeah! Combien ça me fait de pièces? Ah, apparemment ça doit en faire 100. Ouais, à peu près, hein. Oh non, 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 non! Ok, 757, à combien je reviens? 757. D'accord, je suis mort, mais en fait, rien à foutre, hein. Je comprends pas comment ces pièces diminuent. Ou alors il y a un décompte de mort, puis je suis mort trop de fois. Je ne sais pas. Je suis mort trop de fois et du coup il considère que non mais machin, c'est le petit nouveau, donc il faut lui laisser et rien lui prendre. Allez, tac. Ça commence à revenir, c'est bien. Après 5 minutes de jeu, j'aurais presque dû me chauffer, c'est ce que je ferai la prochaine fois, je pense. Oh oui, je suis chaud. I'm Batman. Et je suis chaud. Allez, va faire mumuse. Allez. Et voilà, les deux machins qui se fight, et on est content. Donc là, si je joue bien, je devrais pouvoir avoir la petite fleur avec les. Avec le casque de pompier. Voilà, yes. Enfin. Voilà. Ah, ça devient plus facile du coup. Ça devient plus facile. Alors, là aussi, on va faire de la place, hein. Voilà. Allez, le petit Ox qui va bien. Et hop, 100 pièces de plus, on est content. Donc, c'est dans le trou juste après que je suis tombé. J'arrive plus à remonter, hein. C'est impossible. Ok, bon. C'est fou ce que j'aime. Oh! Oh mon Dieu. Alors, je m'attendais à tout sauf à ça. Je me disais, ça y est, je suis mort. Bon bah c'est cool, ça me fait un petit passage secret. Non 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 non. Allez, ding ding. Yes. Parce que quand il y a ça, en général, c'est qu'il y a beaucoup de monstres. Donc on a intérêt à aller le plus loin possible. Je dis ça et. Bon, elle était même avec déjà une petite bouboule de feu là. Je suis pas invincible évidemment, mais ça va pas si mal. Ok, nickel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec tout ça, je me retrouve avec. Oh, maintenant deux boules de feu. Je me retrouve avec beaucoup de pièces, puisque. Alors là, c'était tendu. Tac. Olé. Ok, on arrive déjà au bout. Ah oh, bon, ça va. Tranquille. Non, 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 non. On va faire ça en mode petit zizi en courant. Hein. Yeah, alors, 40 méchants sur 50 tués. Bon, ça va.
27 pièces récupérées plus les 100 x 2. Je crois x 2, je sais même plus. Ah non, encore plus de boules de neige. Et on change de musique. Yeah! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bim. Allez, troisième boule. Oh non, j'aime pas les plateformes. Enfin, j'ai rien contre le jeu de plateforme lui-même. C'est ces plateformes où il y a le trou en dessous, puis tu sais que tu meurs si tu te fais pas exactement juste. C'est un petit côté stressant. Surtout si, comme moi, vous avez joué à Super Mario pendant des siècles et vous avez toujours eu très très peur de mourir en bas. Ben voilà. Ok, on devient grand, on est content. Et après, c'est le bordel. On va revenir en arrière. Et on va passer par en haut. Sans passer dans le trou si possible. C'est négociable ça? Allez. Maintenant, je me souviens. Celui sur lequel j'ai fait un rage quit, c'était le même genre de truc, mais avec des petits hélicoptères qui volaient. Ah d'accord, donc si je fais les deux, en fait, dans le bon ordre, je peux même avoir des bouboules de feu. On s'ennuie, on s'ennuie, on s'enlève. Ah non! J'ai sauté juste trop tôt. Je voulais pas, si possible, aller taper le... Ok, bon. Là, il y a ces saletés de stalactites. On va faire comme ça, tac. Comme ça, on fait dans les deux sens, on récupère un max de pièces. Bon, j'ai pas tout, mais c'est pas grave. De toute façon, apparemment, le compteur de vie, ils s'en fichent, hein, donc... On va agir comme si... Voilà, comme si le compteur de vie ne décomptait pas en arrière, puisqu'apparemment, ils s'en fichent pas mal. Mais je pense que ça va être relatif au nombre de fois où on est mort sur une zone. Allez, allez. Ice block, tu dégages. Ah, mais c'est horrible. Le problème, c'est que Tox, il a une certaine latence comme ça. Pourquoi cette pièce, elle tourne autour? Je sais pas, je la sens pas en fait, je sais pas pourquoi. C'est sûrement une pièce toute bête, toute normale. Ok, le passage secret là. Ouais. Ok, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller, tout simplement. Parce qu'il y a trop de vide en dessous, et je pense bien qu'il y a certainement une zone où on peut accéder, mais... Donc si je dois faire tous les moindres recoins du jeu, vu le nombre de fois où je vais mourir, ça va être chiant pour tout le monde. Alors voilà. Ok, on est déjà au mini-niveau. Enfin déjà, façon de parler. Oh mon dieu, non. J'aime pas avoir un truc au-dessus de la tête et du vide en dessous. Ah, c'est les nazis qui ont inventé ce truc. Point Godwin, ding ding. Et j'ai perdu plein de sous. Vous voyez? What? Voilà, je remeurs et je repère énormément de sous tout de suite. Donc c'est là-dessus en fait que je peux me taper un game over. Mais je comprends pas. D'accord, fallait juste ne pas sauter en fait. Ouais, c'était couru d'avance. Y a rien de plus stressant comme plateforme. Quoi qu'en étant plus petit, ça facilite un petit peu les choses. Mais un petit peu, hein. Allez, explose. Ok, on va laisser machin aller se balader. Voilà, on va venir se caler là. Et puis, on va étudier un petit peu les sauts du monstre à côté. Mais c'est quoi ce petit pirate là qui... C'est genre... Ah ouais, je change d'endroit parce que... Parce qu'en fait... No way! Ah! Je le voyais venir. Je savais pas comment le prendre, le petit pirate là. Ok. Par où? Oh, il y a un passage comme ça facilité. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit aller plus vite que le petit pirate, soit pleurer. Donc il est là, mon ami le pirate. Donc si je reste là, je pense qu'il va revenir dans l'autre sens. Il va taper la miss. Voilà.
Donc faut pas que je tue la machine là. Si je veux rester vivant. Doing. Ok. Voilà. Le ressort bizarre là, il est loin. C'est concentration maximale là-dessus. Ça peut paraître débile hein, parce que. Je sais que pour beaucoup de gens, les jeux de plateforme, c'est super cool, easy peasy. Ok, alors là, ça sent le truc à régler, ou je sais pas. Ok, alors je sais pas trop ce que je dois faire de ces leviers. Enfin, est-ce que c'est des leviers déjà? Non, c'est pas des leviers, c'est juste pour. C'est juste de la déco en fait. Oh, ça c'est méchant. Ça c'est très méchant, ça. C'est vraiment. Ah tiens, récolte des pièces et sois un. Ah, puis si je. Ok, ben. J'aimerais bien réussir à faire autre chose, mais. J'aimerais bien réussir à sortir de là et aller. Est-ce que ça revient à dire que je suis foutu? Je pense que oui. Je pense qu'avec l'étoile, je suis obligé de. On va essayer. Ouais. Pour taper les autres, je suis obligé d'être petit en fait. Alors là, on va pas aller récupérer les pièces en bas. Vous pouvez voir ça comme un défaut de confiance en soi, mais voilà. Bon, j'ai loupé les deux secrets. Franchement, c'était. Waouh! C'était corsé. Bon, allez, dernier. 23ème division. Est-ce que c'est là-dessus que j'aurais. Je crois que oui. Ah oui, et la musique est tellement belle sur celui-là. Et oui, je me souviens, il y a un passage secret juste là. Je crois que. Punaise. Voilà, et c'est là-dessus que j'ai pété un câble et que j'ai fini par tout balancer. Oh mon Dieu. Mais pourquoi t'es sur de la glace? Tu veux pas travailler sur. Dans de la jungle en fait? Bon, il faut vraiment que j'aille vite. Bon, ok. Allez, dernière tentative. Je passe au-dessus. Ah, mais vous vous rendez pas compte, hein, il est lourd. J'ai l'impression de conduire un 38 tonnes sur de la neige. Je ne conduis pas de 38 tonnes dans la vie de tous les jours, non. Bon, alors. Bon, je vais réessayer encore une dernière fois. Pourtant, j'ai tourné, hein, j'ai tourné. Vous vous rendez pas compte, je pile sur tourner. Là, je vois que je sens la. Ah, voilà. Et là, normalement, ça, c'est atteignable. Voilà. Tout ça pour ça? Ah, j'étais sûr qu'il y avait plus. Allez. Donc, c'est sur celle-là où j'avais pété un plomb parce que il y a ces saletés de machin qui sont. Là, j'ai fait en fait à peu près, je pense, 12 fois ce passage sans jamais réussir. À chaque fois, je me prenais un de ces monstres ou les trous juste après. Je vais essayer de ne pas illustrer mon propos. Et voilà, j'ai illustré mon propos. C'est vraiment. Et en plus, ça, c'est vraiment la grande chute pour vous dire. Mais mon pauvre ami. À part ça, être petit ou grand ne changera rien, donc on va. Ça, c'était un petit peu dangereux quand même. Le problème, c'est que ces machins, ils ont une altitude qui varie comme ça. C'est genre, ouais, je vais être en haut. Oh non, je vais être en bas. Puis ils changent d'un coup. C'est random. Je sais pas si c'est qu'il faut que je joue, que j'arrête de jouer à la sécurité, puis qu'à la place, je fonce dans le tas. Ah oui, je peux pas les péter par en dessus, par en dessous. Voilà, mais regardez lui par exemple là. Faut que j'attende qu'il descende. Voilà. Parce que tant qu'il a pas bien voulu descendre, là aussi, là tant qu'il est pas en bas. Voilà. Ok. Voilà, je crois que le pire est fait où je l'ai touché et j'ai rien eu. Nice.
Ah là, alors si je meurs maintenant, je hurle. Non mais vous avez pas idée la quantité que j'ai ragé sur cet endroit. Après le... Ok. Toing. Ah, il y a des Madame Ice Block ici. Ça change un petit peu. Allez, j'attends que machin passe en bas de son trou. Voilà. Toing. Ok. Voilà. Oh. Bonjour, petit passage secret. Et j'en déduis qu'il y a... Qu'il y a un autre passage secret qui vient de plus bas. Je sais pas du tout comment on le rejoint, mais... Est-ce que c'est juste en tombant puis en partant de côté? Mais bon courage, quoi. Alors, je... Ah, j'ai la sonnette. Bon, écoutez, je vais tenter. Ah ouais. Ah oui, c'est juste. Il y avait un passage en dessous. Bien sûr. Oh, ça m'était sorti de la tête, ça. Eh ben, c'était une bonne journée, n'est-ce pas? Allez. Voilà. Yes. Évidemment, j'arrive, machin, il est juste du mauvais côté. Quoi? Ah, j'étais trop près, bien sûr. Ok, j'aimerais avoir un ice block, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Bon, je suis petit, mais au moins je suis passé. Oh non, et pourquoi? C'est juste maintenant que j'ai des machins qui bondissent dans tous les sens. Ça me fait penser aux trois petits cochons dans Super Mario Land 2, c'était. C'est celui où il fallait récupérer des pièces d'or, des grosses des pièces, il y en avait genre 6, je crois. Et il y avait un boss final, et voilà, je suis mort. Il y avait un boss final où c'était les trois petits cochons. Pour ceux qui s'en souviennent qu'auraient eu ça. Ce qui veut dire que les trois petits cochons, c'était chacun trois coups. Et ils sautaient, le premier il roulait, le deuxième il sautillait, le troisième il faisait des sauts de malade. Et ça faisait donc 9 coups qu'il fallait porter aux autres sans... ouais, et sans évidemment se faire toucher. Et ça c'était... Oui alors, ça c'était très con ce que je viens de faire. C'était une difficulté, mais à se taper la tête contre les murs avec 27 mètres d'élan. Allez, vas-y, fais boum. Boum! Ok, là c'était que des pièces, hein. Ouais, je me disais. C'est pas ça que je voulais. Je voulais ça. Voilà. Comme ça fait de la place. Bon, je vais me concentrer un petit peu, puis arrêter de dire des bêtises. Ah, si je viens là. Il me casse pas les pieds. On va vite grandir pendant qu'on peut. Ah oui, là il y a machin avec son casque très moche. Là si j'ai pas de. C'est venu, si j'ai pas de boule de feu, je peux rien faire avec lui. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, le passer, yes, attendre son copain. Voilà. Ah là là, c'est pirate informatique. Bim. Ça en fait un de moins. Yeah! Ok les amis, alors du coup, ah ouais, j'ai pas redécouvert ce truc. Du coup, je vais vous laisser là, je pense que c'est déjà pas mal pour cet épisode, surtout que bah, j'ai repris la main. Je vais vraiment essayer de vous en faire un peu plus, je fais ce que je peux, ma foi. Malgré tout, c'est les études d'abord, et il y a une quantité de boulot invraisemblable. Du coup, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce de votre couleur préférée ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère que cet épisode vous a autant plu que le premier. Enfin voilà, moi j'aime bien cette petite série. C'est sympa et en plus ça me permet de faire beaucoup plus vite que du main test. Où finalement, au main test, il me faut quand même en général 4 ou 5 heures pour 20 minutes d'épisode. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.